Le médecin qui ne retrouve pas votre dossier médical, la prise en charge défectueuse d'un patient, un mauvais diagnostic prononcé, des séances de consultation qui s'éternisent, des erreurs de prescription, des files d'attente interminables. Eh oui, tous ces dysfonctionnements, nous les connaissons et ils peuvent avoir des conséquences graves, voire fatales. C'est pour tenter de les résoudre qu'en Guinée-Conakry, M. Mutunga Keita a inventé le premier ordinateur debout de l'Afrique subsaharienne. C'est à cette borne médicale et à son inventeur que nous allons nous intéresser dans cette vidéo. Monsieur Mutunga Keita est le fondateur et PDG de Tulip Industries. Il a été plusieurs fois primé et est reconnu par l'Africa Innovation Summit parmi les 50 meilleurs innovateurs en Afrique pour 2018. Avant le Covid-19, il préparait le lancement d'un projet pilote pour ses bornes médicales. Mais la pandémie du Covid-19 n'épargnant personne, il a dû faire face à ce chamboulement en réagissant très vite. En moins de 7 jours, il a développé une tablette pour faire face à la pandémie. En fait, la tablette, c'est la borne médicale qui a été miniaturisée. Qu'est-ce qui fait que cette tablette est si intéressante? Pourquoi est-elle si convoitée? L'un des atouts de cette tablette, c'est qu'elle permet de mesurer les constantes vitales très rapidement. Par exemple, elle dispose d'une caméra thermique à longue distance qui permet de prendre la température des patients. Elle permet aussi de scanner le taux d'oxygénation dans le sang, qui est un indicateur pour d'éventuelles affections pulmonaires. Elle permet aussi de scanner les battements cardiaques. Ainsi, un problème au niveau de l'un de ces trois indicateurs permettra aux agents de rediriger le patient vers les structures adéquates. La tablette permet donc de faire un tri au niveau des patients, de faire un gain de temps et d'économiser des tests. Ce format de tablette n'est pas anodin parce qu'elle pourra être utilisée dans le cadre de la surveillance, dans la rue, dans les centres commerciaux, dans tous les espaces publics. Un énième atout de cette tablette, c'est que justement, étant numérique, elle va permettre de mettre en place une base de données médicale pour faciliter le suivi des patients, chose qui manque réellement dans de nombreux hôpitaux africains. Et ces données-là sont justement conservées numériquement. Et alors, fini le dossier médical qui disparaît ou encore la consultation qui s'éternise. Monsieur Keita montre ainsi à l'Afrique et au monde entier que nous sommes capables de trouver des solutions face au Covid-19 et aux tares qui gangrènent le secteur médical dans de nombreux pays africains. La tablette a du succès et fait déjà de nombreux intéressés en Côte d'Ivoire, au Ghana, en République démocratique du Congo, au Burkina, au Sénégal et dans le monde entier. Et c'est ça l'innovation à l'africaine. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris quelque chose grâce à elle, je vous invite à vous abonner et à lâcher un like. Et on se dit à très vite pour d'autres vidéos.